Salut à tous, c'est 722, on se retrouve aujourd'hui pour ce 15e épisode de Zelda The Mind Shape. Donc je vous rappelle qu'au dernier épisode on avait rien fait, on avait seulement fait des petites quêtes annexes. Donc là on va vraiment faire la quête principale. Donc je vous rappelle, on avait eu l'élément, le troisième élément. Et que c'est ça, il fallait le mettre comme on a fait avec le premier. Ok, non? Personne ne passe, hors du roi d'Hyrule. Allez petit, dégage là. Donc vous voyez, on peut pas passer, il nous laisse pas passer pour qu'on aille au sanctuaire, puis c'est dans le château. Donc je vais vous dire, je vais vous montrer c'est ce qu'il faut faire. C'est peut-être une petite référence à Minish Cap, mais il faut s'infiltrer. Il faut s'infiltrer. Ah, ils m'ont vu. Dis donc, toi on ne passe pas. Alors, il faut passer par ici sans qu'on te fasse voir. J'ai toujours du mal là-dedans, si vous voulez essayer de l'avoir ce clou moi. C'est assez stressant. Surtout ici, là. Oh yeah, du premier coup. Là, c'est quoi? Là, je vois qu'ici, j'avais libéré quelque chose, je crois. Oh, une fontaine de feu. J'ai-tu des flacons, on en sont plein de feuilles, ok. Et là, faut pas faire la gaffe d'aller parler à lui, sinon il va nous ramener au début. Donc je voudrais m'excuser aussi pour le peu de vidéos qu'il y a sur la chaîne depuis 2 ou 3 semaines, je crois. J'avais pas énormément le temps, parce que vous savez, c'est les examens à l'école. Et c'est stressant, donc j'avais plus beaucoup le temps, sauf que là, ça va être fini cette longue période d'inactivité là, parce qu'on a refilmé Nomade, on a une nouvelle session. Fallon, je vais le filmer demain, et là, j'ai décidé de filmer Zelda, peut-être 2 ou 3 épisodes. Parce que je voudrais finir le jeu avant juillet. Donc, je vais essayer de mettre au moins 2 épisodes par semaine pour le finir. Donc, pendant que je parle, on est arrivé au château et on est entré au sanctuaire. On va imprégner la force des éléments. La Master Sword. Non, je dis ça, c'est parce qu'il est bleu comme la Master Sword dans Ocarina of Time. Vous avez imprégné l'épée de la force de l'élément O. Vous pouvez maintenant créer 2 doubles de vous. Et c'est ça qu'on va faire tout de suite. On charge. Ça. Regardez, là. Là, il y a vraiment 2 doubles de moins. Ça va être pratique, évidemment. Je trouve que l'affaire des 3 doubles, c'est pas très bien utilisé, contrairement aux autres. Là, faut que je repasse par le chemin secret. Secret vite dit, je sais pas pourquoi les guerres l'ont jamais vu. Donc... on monte. Là, je veux me faire voir. Oh, ben non, quand même, on va me téléporter tout simplement. Est-ce que je dois aller ici? Parce que je vous rappelle que quand on avait fini le temple de l'eau, il y avait un fantôme qui avait dit d'aller ici. Il avait laissé une marque sur notre carte. Parce que là, on sait pas encore c'est quoi. On va y aller. Le nord d'Hyrule, oui. Non, c'est pas par là. Il y a une quête, va vraiment falloir que je finisse vraiment la quête du boomerang magique. Parce que à ce moment-là du jeu, on est supposé pouvoir l'avoir. Regardez, ici on voit. Ici, il faut 2 dos pour le pousser. On pouvait pas avant. Maintenant, on peut. Et là, faut qu'on monte. Et on arrive, je crois. C'est ça, c'est ici. Et là, pas faire la gaffe que j'avais fait hier, parce que je joue aussi sur mon Game Boy. Sauter ici, mais ça faut tout refaire après. Et ici c'est avec un assemblage. Vallée des rois. Alors Link, ça fait quoi de se trouver dans cet endroit lugubre? Tu n'as pas peur? Même pas un peu? Et moi? Évidemment que non. On y va? Et là je peux vous dire que ici, quand on joue sur Game Boy, c'est beaucoup plus sombre. C'est peut-être aussi passé la version américaine que j'ai. Sauf... on voit presque rien.
Donc là d'habitude faut faire ça, j'en ai même pas besoin. Faut quand même le faire puisque... Ah! Il manque! Sa vidéo, je sais pas comment ça va sortir. Sauf que moi j'en aurais même pas besoin. Il doit avoir une petite énigme assez facile, faut juste avoir... Ah! Faut juste un peu de mémoire. Ici par contre, là on a vraiment besoin de la lampe. Oh! Je m'en souviens, c'est quoi la route? Sauf que je veux quand même lire les panneaux pour montrer c'est quoi. Gauche. Oui, gauche, je sais, gauche. Ah non, c'est pas vrai, là, gauche. J'ai failli faire l'erreur de mes... J'ai failli faire une erreur vraiment conne. Dire que la gauche avant la droite. Là, le panneau, il est là. Même direction que la pancarte précédente, qui était gauche. Encore la pancarte. Même direction que la première pancarte. La première pancarte, elle disait haut. Oh. Je m'énerve. Droite. Non. En tout cas, je crois que c'est marqué même direction que deux précédentes, c'est-à-dire haut. Par contre, je vais quand même essayer de vous la faire lire. Oh! Putain de fantôme. Calme-toi, calme-toi. Bon. Salut mon gars, je suis Igor le Fossoyeur. Comment l'esprit du roi t'a appelé? Je vois, c'est l'esprit d'un ancien roi d'Hyrule. Il vient dans mes rêves aussi parfois. Il se repose dans son tombeau. Tiens, prends la clé du cimetière et va lui rendre visite. Vous avez trouvé la clé du cimetière, vous allez pouvoir ouvrir le portail. Petit rubis, non? Bon. Vous pensez vraiment que ça va être aussi facile? Ce fuge corbeau nous a piqué la clé du cimetière. Poursuis-le, il faut la récupérer. Je suis tout à fait d'accord. Et pour ça, il va me falloir les bottes de Pégase. Et là, le fossoyeur, il est déjà rendu là. Ce sané de corbeau t'a piqué la clé du cimetière. Il faut s'approcher de lui rapidement si tu veux la récupérer. Donc là, faut trouver ici quelle arme. Il est là. Et là, bottes de Pégase. C'est facile, mais faut le savoir. On peut passer. Je crois que la première fois, j'avais passé 10 minutes à essayer de courir après. Ouf, on a récupéré la clé du cimetière. Fais attention maintenant, Link. Allons ouvrir le portail avant que tu ne la refasses piquer. Et avant que je ne sache plus parler. Donc. Par ici. Ah oui, il faut y parler. Je vais t'ouvrir le portail, sois prudent mon gars. Qu'est-ce que tu fais là toi? C'est un tombeau ici, il y a des fantômes. Mais dis-moi, tu viens de la cité d'Hyrule? Mon frère habite là-bas. C'est un petit farceur, mais je l'adore. J'espère qu'il va bien. Un assemblage. Je crois que je suis bien préparé dans l'assemblage. Je crois que j'ai des fragments d'à peu près de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Oh non, pas le fou. Ça m'a donné une idée qui va rendre le jeu plus intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mettons-nous vite au travail. Ils ont fusionné. Je sens qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Peut-être. Pour moi. Je répète tout le temps ça, mais je trouve ça tellement... bizarre le système des... dans ce système-là des assemblages. Je veux dire, ça va nous porter bonheur. Oui, mais juste à moi, pas à vous. Oh, un fragment. Encore le système des trois clones. Si on a poussé la tombe au milieu, je l'ai pas expliqué, mais c'est tout simplement que les clones puissent passer. Juste là, c'est pour ouvrir le gros tombeau. Et là, c'est un beau gros tombeau, hein, avec des momies et tout. Ça va être le tombeau des rois, ça reste un tombeau, c'est lugubre. Comment est-ce qu'on va trouver ce roi Gustave? En fait, je suis vraiment sûr de le rencontrer, finalement. Et là, les momies, c'est dur et c'est long à tuer, sauf avec ce truc-là. On les fait brûler, ça va devenir des simples squelettes. Par contre, après ça, c'est juste... chiant parce que ça évite nos attaques. Ici, il y a trois champignons, faut pas se tromper. Sinon, on tombe dans le vide et on perd connement un cœur. C'est celui-ci.
Et là, on peut voir, il y a trois portes, mais non, ça, c'est des fausses portes. C'est des trappes. Il n'y a rien qui est vrai. Là, regardez, il faut deux clés pour passer. Et les clés vont être cachées un peu partout, autour. Un peu partout, des deux côtés. On va attendre que la plateforme revienne, vous allez comprendre. Activer ça et avoir la clé. Les blocs clés, je trouve qu'on les avait même pas encore vus dans le jeu. C'est tout simplement des blocs où il faut la clé pour l'ouvrir. Et c'est le même genre, sauf qu'il n'y a pas la plateforme. Non, oh merde. Ça, c'était con. Fais une pause. Voilà. Maintenant que j'ai les deux clés, j'allais dire les deux portes, les deux clés, je peux ouvrir les deux blocs. Ah, les serpents, là. Bon. Ici, il faut tout simplement allumer les torches. Et là, ça donne des momies. Et là, je vais reprendre le truc de tantôt, on va y brûler. Regardez, je vais essayer d'en tuer une. Sans la brûler, vous allez voir, ça va prendre beaucoup de coups. En plus, ça nous attrape, ça nous fait beaucoup de dommages. Quand il va. Tombeau de Gustave ici, il y a un endroit très intéressant, c'est un endroit bêta, que je crois que c'est le créateur de Dark Linkel de Triforce Legend qui l'a trouvé. Je sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui l'a découvert avant, mais ici, avec un coup pour traverser les murs, on peut trouver qu'il y a un endroit bêta. Je crois que je l'avais même montré dans ma vidéo, sauf que je ne sais plus, je m'en souviens plus, je crois pas. On va voir sur le site Triforce Legend, vous allez le trouver. Oui, je fais un peu de publicité, mais on est partenaire, donc. Jeune homme, je t'attendais. Je suis Gustave, voix d'Hyrule d'un lointain passé. Je sais que tu cherches à sauver la princesse Zelda, ma descendance. Ma descendante, hein? Prends ce fragment et rends-toi à la source des eaux. Le fragment t'ouvrira la voie. Le destin de Zelda et l'avenir d'Hyrule sont entre tes mains, jeune homme. Vous trouvez un fragment du bonheur? Ça fait tout drôle d'être convoqué par un roi du passé. La source des eaux, je me demande bien où ça peut être. Et là, on va pas se faire prier pour s'en aller. Et là, pour finir tranquillement la vidéo, on va aller chercher des cœurs de cœur. Hein. Parce que je voulais faire un épisode d'une vingtaine de minutes. Là, j'ai à peu près ça. On va juste aller chercher des cœurs de cœur. Et lui, je me demande toujours si j'ai fait un assemblage avec lui. Il faut que j'aille voir. C'est pas là que je vais aller, c'est là. Cascade de Serra. Ici, un quart de cœur. Il m'en manque rien qu'un. Ici. Est-ce que c'est un vrai? Non. Allez, clique. Par contre, lui, c'est un vrai. Sinon, il y a trois vrais et un faux. Et lui en haut il commence à m'énerver solide. En tout cas. On va voir s'il n'y a pas quelque chose sur le mur. Pour le flacon. Non. 50 rubis. Et 50 coquillages. Ok. Au pire. Et sinon. Ouais, je crois que je vais aller voir si j'ai... J'aimerais peut-être aller finir les assemblages pour avoir le super boomerang. On va voir si j'ai fait l'assemblage avec lui. Je crois que oui. J'en sais plus avec qui je l'ai fait et qui je l'ai pas fait. Je crois que le Mongoggle, il y en a un que j'ai pas fait. Sauf qu'avec lui, je suis jamais sûr.
Il y a un coffre ouvert, donc j'ai dû le faire. On va quand même aller voir, peut-être que... Oh, non, ça, lui, je l'avais pas fait. Par contre, il me faut le bon frein. Non, merde! Je veux ton fragment. De le port. Il y a quand même un autre, lui, je suis à peu près sûr que je l'ai pas fait. Là, c'était Dirul. Je vais m'aller voir ça en même temps. L'autre, il vend des fragments verts. Non. M'en fous. Attends, bon. Qui pue? Ici. Attends, toi. Meurs, patate. Puis là, je... comment on fait déjà pour y aller? Par ici. Oh, je crois que c'est... ici. On monte, ouais, j'ai dû faire l'assemblage avec lui. Non. Avec lui, je l'ai. Avec Kingle. Ok, donc maintenant il me reste seulement un seul assemblage à faire pour avoir le super boomerang, et pour ça il me faut le fragment vert. Je sais pas si je brise tout, mais en avoir un. Je crois qu'il y en a dans le pain, attendez. Oui, dans le pain, j'ai dit, il y a une blancherie, je vous rappelle, je vous l'avais montré. Mais écoute ton pain. Oh, il y a ta faim. C'est que 6. 20, oui. Rien. Bon, ben ça d'abord. J'ai beaucoup de rubis, donc je vais les gaspiller un peu. Rien, ben là. Et lui? 40 rubis, oui. Rubis vert. J'en ai rien à faire, un rubis vert. Ça. 60. Ça me coûte cher, ces conneries-là, donc... Un blu-ray! Bon, dernière solution pour essayer d'avoir le bon. Vous l'avez pas montré, mais on peut aller dormir ici. Je veux la chambre pas chère, parce que ça va donner des rubis bleus. Des rubis verts, de quoi je parle? Des fragments du bonheur vert. Comme la deuxième chambre a plus chance de donner des rouges, puis la troisième des bleus, ou le contraire. Ça y est. Et c'est pas la bonne. De la merde. Je vais faire ça plus tard. Par contre, je pense à ça, je disais. Attends. Je veux vous montrer quelque chose. Je vous ai montré. Je vous ai jamais montré que ça faisait faire la quête des maisons. Et c'est lui le frère du fantôme, hein. Surtout qu'il me regarde pas, toi. Je pense que j'ai pas, mais il me regarde même pas. Tu veux que je mette un porte-bonheur dans le flacon? Oui. Ça y est, il est dans le flacon. Mais sans que je vous l'avais montré, regardez ça, ça augmente la puissance. Donc si je le prends, il va devenir rouge, ça augmente la puissance. Je vais vous montrer ça peut-être devant le boss. Du... quatrième donjon, c'est ça? Ouais. Mais pourquoi je viens de sortir? Je voulais faire son assemblage. Voilà. Et c'est ici, ok. Un coffre. Oh, un papillon. Un papillon. Papillon, je sais même pas à quoi ça sert les papillons. Bon, pff, on va voir ça plus tard. Ici, y'a rien qui pourrait m'intéresser. Carquois de flèche peut-être. Sans flèche fou, non. Sans flèche, je veux 100 rubis, c'est ça. Je vais essayer de faire un bug. C'est dur à faire. Regardez! Un grand carreau qui tire un rubis. Mais regardez, j'ai plus rien. Vous recevez l'épée de Smith. Si votre grand-père qui l'a forgé, ça c'est un beau bug, hein. Donc
dans le fond, le bug, c'est qu'on prend en même temps, en même temps, de payer sur le bouton pour parler au personnage, on clique sur le bouton pour lâcher l'objet. Donc, ça va faire que va lâcher l'objet, mais vu qu'en même temps, il parle, c'est ça que ça va faire. Attendez. Oh, salut, toi. Assemblage. Oh, oui, quand ça tombe, en plus, je viens d'avoir ça. Blue Moon. Ah, c'est à côté de la maison. C'est une autre petite affaire. Ici, cette porte-là, on peut pas l'ouvrir habituellement. Quand on rentre dedans, c'est... On rentre dedans, la porte, elle ouvre pas. Regardez un petit bug. C'est un bug assez connu. Pousse-moi, allez, toi, viens ici. Hey, viens. C'est assez dur à faire, je vais vous avouer. Ah ouais. Non, merde. Je pense en assemblage, chaque affaire. Je l'ai pas, ok. Mais sac ton camp. Attendez, je vais faire elle joue plus vite là. Je veux juste vraiment vous le montrer parce que c'est un bug assez drôle. Regardez. Ça a ouvert la porte, sauf que moi je suis bloqué dans elle. Sauf que là c'était pas ce que je voulais faire. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut qu'elle me pousse, c'est le même. Non, pas de même. Attends. Je pue. Non! Désolé, je perds un peu mon temps à faire ça, mais je vais essayer de le faire. Ah! Dans le fond, le bug s'appelle le bug de l'ocarina, vous allez voir. C'est juste parce qu'il me faut une porte ouverte. C'est dur à faire parce que dans ce virus, c'est juste ici qu'on peut le faire. Bon, allez, désolé, je coupe juste en quelques secondes le temps que je réussisse. Voilà, j'ai réussi. Désolé, je voulais juste vraiment vous montrer. En gros, le bug, en même temps qu'on entre, faut qu'elle nous pousse, donc la porte reste ouverte. Et là, ça me permet de faire un bug assez drôle. On va le plus près possible. On prend la Carina, on recule en même temps et on joue. Et là, j'ai foiré. Va-t'en. Non. Arrête de me pousser, toi. Va-t'en. Tu pues. Va-t'en. Pas tout ça non plus. Non. On pose. Ah. Rendre ici, c'est vraiment dur. C'est dur. Parce qu'il faut cliquer en même temps. C'est ça la fin. Ah, pour de la marge, j'ai fourré. En tout cas, c'est pour une partie du box. Qu'en fait, ça fait que... Le bug de carnon, on joue quand on est dans port, donc ça fait toute foirer les événements et on peut marcher sur les murs. C'est un petit bug d'amour, je voulais vous montrer. Je vais peut-être vous montrer plus tard parce que ça marche dans tout. Alors, je vous dis merci d'avoir écouté, merci d'avoir enduré mes conneries à la fin. Laissez des commentaires, laissez des pouces verts, abonnez-vous à la chaîne et bye.